Good, salut à tous. Bon, si c'est bon au niveau son, ça devrait pas poser de problème. Je vérifie quand même sur OBS, mais non, ça a l'air bon. Bon, bah c'est parti, donc petite mission comme annoncé. Donc là, on va envoyer une station de recherche. C'est pas quelque chose qu'on n'a pas encore fait. On a juste mis notre station de recherche en orbite autour de Kerabin. Donc là, on va carrément aller poser une station de recherche sur Moon et une autre sur Minimus, tout ça en un seul lancer. On va donc avoir deux landers. Ça a l'air d'aller niveau son. Ok, super, je te remercie. Donc allez, c'est parti. Le VAB et on fait de la fusée. La fusée qui envoie du lourd. Pouf. Bon, alors comme d'hab, ma fusée elle est déjà toute prête. Hein. Je l'ai même déjà mise en orbite histoire de gagner un peu de temps. Tac tac tac, alors où qu'elle est? Tuk tuk tuk, Minimus Station, ça doit être ça. Donc voilà, fusée classique, deux gros boosters latéraux, un booster principal. Et puis en haut, voilà, dans la coiffe, alors on a deux labos de recherche. Le premier, celui-là, on va le poser sur Minimus. Et le deuxième, celui-là, ce sera pour Moon. Alors le labo de recherche, juste pour information, on le trouve ici. Et ça permet de stocker des données, de les traiter et d'envoyer des points de science sur Kerabin. Et en général, ben, bien utilisé, maintenant en allant sur Moon ou Minimus, ça rapporte pas mal. Enfin bref, on va voir tout ça. Donc là, mon vaisseau il est déjà en orbite avec un scientifique dans chaque laboratoire. Et donc on va voir comment tout ça se passe. Alors, tracking station. Voilà. Hop. Nous voici donc avec notre fusée en orbite, avec les deux modules. Module Minimus, module Moon, booster principal. Et puis on a perdu les deux boosters latéraux entre temps pendant la mise en orbite. Donc là déjà un petit quick save à ce stade. Et on va faire détacher le premier module. Et pour le mettre sur, pour l'envoyer direction Minimus. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors je n'ai pas chopé mon découpleur, j'ai l'impression. Touk 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 touk. Je vais faire un petit aim caméra, ce sera plus simple. Ah mais non, j'ai juste mis... Ah mais d'accord, bon on va directement découper alors. Voilà, on se découpe gentiment. On va activer donc le moteur principal, de toute façon il n'y en a qu'un. On va sortir les patates d'atterrissage, c'est ce que ça te fait. Je ne sais pas le couper. Voilà, et puis hop, on va s'écarter légèrement du vaisseau. Du principal. Je peux pas faire un reset caméra là. Ah si. On reset caméra, voilà. Donc la direction, allez, un petit coup de transfert de Oman. Où que tu es Minimus. Minimus est par là, donc il devrait shooter à peu près par là, je pense. C'était Stargate. Intercept with Oman transfer. Oula, on va le choper un. On la chope pas au meilleur endroit, mais bon, c'est pas grave, on fait une petite correction pour s'aligner un peu sur ton orbite plus tard. Donc c'est parti, et ben execute next node. Par contre, où est-ce qu'il va se faire le node? Ah non, ça va, le node, la manœuvre va se faire en pleine lumière, donc du coup on va pouvoir la voir. Ça coûte combien? 900 delta V? Normalement, le delta V on en a plein le coffre, hein, j'ai plus de visiter 2-3 biomes. Salut Nicolas, bienvenue à toi. Donc je sais pas si t'as vu le début, mais là le principe de la mission c'est de poser deux stations de recherche avec des labos, une sur Minimus et une sur les deux satellites de Kerabin quoi. Et donc là je vais effectuer la poussée, le transfert de Oman direction Minimus. Qui va nous coûter 900 de Delta V. On range un peu mec Jeb, histoire qu'on voit quelque chose. Et puis voilà, donc deux gros panneaux solaires de bois, histoire de. Parce que ça consomme mine de rien les antennes qu'on transmet. Surtout que j'ai pas pris une petite antenne, j'ai pris quand même un truc un peu de bourrin. Et puis des. Voilà, des. De la batterie.
Et puis comme d'hab, les petits instruments scientifiques que j'ai collés au bord là, qu'on a tout le long. Avec un Science Junior ici. Bon du coup il y a un peu de poids quand même là dans, vers le haut du module, ce qui fait que ça prend un peu de temps pour la pousser. Une fois qu'on aura fait ça, on prévoira notre manœuvre pour s'aligner. L'ATH est énorme, c'est quoi l'ATH? Le labo, tu veux dire? Ou l'antenne? Ah l'antenne, oui. Oui l'antenne est énorme. Oui, pour aller mine sur Minmus, c'est surdimensionné quoi. Comme antenne, c'est clair. Mais bon, j'aime bien faire le point. C'est un des meilleurs petits plaisirs dans Kerbal Space Program. Hop. Termine la mauvaise grosseur. Nickel. Alors, est-ce qu'il va vouloir nous aligner les plans aussi? Je ne pense pas. Parce que notre ascendant, il est là, il va pas vouloir. Rendez-vous planeur, on va tenter, on va faire alignement des plans. Ouais, il le fait ici, il le fait trop tard. Donc, nous, on va le faire au descending node. Et on va essayer de se rapprocher un peu de l'orbite, du plan orbital de Minmus. Allez, manœuvre de l'éditeur, combien il va falloir en mettre? Ralentir un peu au passage, ouais peut-être pas tant. Ça y est, on a chopé un périapsis, nickel. On va essayer d'affiner un peu tout ça. Un peu plus haut. Peut-être légèrement ralentir. Ah, toutes les données sur le côté de la nave vol ou d'altitude, etc. Ouais, c'est vrai. J'aime bien le garder à l'écran quand même. Alors là, il va falloir remonter un peu, je pense. On va déjà se mettre à peu près à niveau. On va fignoler un peu tout ça. Voilà, on commence à être pas mal là. On remonte un peu. Puis c'est 14 km. Non, mauvais sens. 0,1. On va ralentir légèrement. Puis la pièce 132. 9. 32, ça me va très bien. Non, on est pratiquement sur l'équateur, en plus on est bien, nickel. Ok, c'est parti, execute text node. Donc là ça coûte combien? Ça peut pas coûter grand chose. Ça coûte 170, ça c'est cool, il nous restera plein de delta V dans le coffre. Il nous fait sa petite manœuvre. On a notre écouteur. Périapsis 31 km. Et ben on est au top, sauf que c'est dans 9 jours. Du coup, en attendant, on va s'occuper du module lunaire. On va quand même préparer la manœuvre comme ça sera fait. Poussée rétrograde pour se faire happer par l'attraction de Minmus. Oula, c'est trop bas ça. Ouais, bon, ça me va. Alors, on va pas faire exécuter next slide, je vais quand même mettre une petite alarme au cas où.
Ça je peux l'enlever. Aide, voilà. Voilà, mettre, je sais pas, pour aller 3 heures avant la manœuvre. La loi impeccable. Et on va switcher sur le module lunaire. Vu que là, la manœuvre est que dans 9 jours, on a largement le temps. Mini Station Ship, alors, non, c'est pas ça. Ah, faut que j'arrive à rezoomer là-dessus. Minimum Station Chip, c'est celui-là, voilà, Switch to. Alors, au coup, on en est là. Bon, là, les côtés nuit, c'est pas bien grave. Alors, on a encore du Delta V dans le booster principal, donc on va s'en servir, hein, vu qu'il nous en reste. Donc, la lune, hop, lune, 7 Eistergate, et un petit transfert de Hopman. Ouais, là il y va un peu fort, comme d'hab, il nous fait percuter la lune. Périapsis, combien? 40 km, moi ça me va très bien. Hop, un petit quick save, et execute next node. On est là, manœuvre ici, 800 delta V, c'est cool. Oh, alors je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, moi j'utilise Alarm Clock, Kerbal Alarm Clock, c'est quand même assez pratique. Ça vous permet, quand vous avez plusieurs missions en cours, ça vous permet de mettre des alarmes, c'est genre attention, dans 3 heures vous allez justement là par exemple, vous avez une manœuvre à faire, ça vous prévient, et du coup ça vous, si vous êtes en train de suivre notre mission, ça vous coupe le time warp et ça vous propose de switcher directement sur le vaisseau qui doit effectuer une manœuvre. Très pratique. Enfin, surtout en mode carrière quand vous avez. Mission en même temps, c'est juste indispensable presque. Alors c'est parti, il est en place, il va faire la manœuvre. Ça devrait aller vite, étant donné qu'on est avec le gros booster principal. Ouais. En effet, ça devrait aller vite. Voilà. C'est propre tout ça. Hop, fin de la manœuvre. Super. Donc là, on doit bien avoir notre encounter avec la lune. Et à pousser rétrograde. Opérapsis pour se mettre en orbite. Pousser rétrograde, hop. Non, à coup de 1, j'irai pas bien loin. On va circulariser un peu tout ça. On a combien là? 54 km? 58. 38. Voilà, comme ça c'est bien circularisé, c'est dans combien de temps? C'est dans un jour. Execute XNode. Excusez-moi, je m'étire un peu. Donc où il en est là? Ah oui, c'est vrai qu'il met un peu de temps à se mettre en direction de la manœuvre vu la taille du vaisseau, même si j'ai mis quand même pas mal de reaction wheel. J'aurais dû en mettre carrément à l'intérieur là. Ça aurait été plus simple. Ça aurait été mieux équilibré. Allez, on y est presque. C'est parti. Ah, on va être où? On va être face cachée. Ah non, même pas.
reste combien d'elle t'avais dans le coffre là? Il nous reste encore 800. Hein. C'est cool, c'est pareil, avec ce petit lander là, on va pouvoir faire 2-3 biomes. Hein. On va faire un max de science avec ça. C'est tout bon, on stabilise. Et puis on va se poser. Alors où est-ce qu'on va se poser? Oh, on a les Twin Craters là, juste là, les cratères jumeaux qui sont reliés entre eux. C'est un biome sympa ça. Bah, allez, on va se poser là. Voilà, on va descendre un peu. Mauvais sens. Là, on est pas mal. Allez, un petit quick save. Et execute next turn. On est bon. Manœuvre de désorbitage, direction les Twin Craters. Et je pense qu'après, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? On a des Midlands Craters là. On a de quoi faire ce Mune. Je crois que Mune, c'est l'un des astres qui possède le plus de biomes. Donc on aura de quoi faire. Bon, entre les pôles, les Midlands, les Loudlands, les Twin Craters, les Eastern Craters. Il y a de quoi faire sur Mune en termes de biomes. Super, alors on va se mettre une petite manœuvre par là, histoire de virer le booster principal. Elle t'avait 200. Hop, si je fais moins 200. Ouais, je dois peut-être mettre un peu de radial quand même pour être bien dans le cratère. On va faire moins 210. Salut Vampal, plein de biomes sur la lune, mais ça rapporte moins de science que Minmus et ça coûte plus de Delta V. Oui, c'est exact, oui. C'est vrai que les biomes, donc en quantité de points de science, potentiellement la lune rapporte plus, mais c'est beaucoup plus simple d'aller chercher des points de science sur Minmus, hein, ça c'est clair. Allez hop, execute text node, on se débarrasse du booster principal. De toute façon, là on fait les deux, comme ça au moins on est tranquille. Je sais pas si tu viens d'arriver, mais là on a un... Hop, alors je vais dézoomer. Voilà, on a un autre vaisseau qui est en direction de Minmus, ça veut pareil, il y a une station de recherche. Pour visiter aussi plusieurs biomes. Et rapporter plein de points de science. Le but de la mission c'est ça, c'est un seul lanceur, deux stations qui vont se poser sur Mune et Minmus. Ah, c'est Vince sur le Discord, salut Vince. Bon allez, maintenant on va faire tout ça un peu à la vue. Alors on est bien dans le cratère là. Ouais. Oui, on y est. C'est bien le cratère principal des cratères jumeaux. Et puis là il est un peu plus petit, on le voit un peu moins, mais c'est bien le cratère de. Le Twin Crater. Il doit nous le dire là. Ah non, je suis encore dans les Midlands là. Je vais pas tarder à arriver dans le Twin Crater, je pense. Tac, stabilité assist s'il te plaît. On virait le booster principal. Voilà. On va mettre le dernier booster, le booster secondaire. La Holland. Vitesse c'est bon, 14 km c'est bon. On va se mettre en poussée rétrograde. On va sortir les patates d'atterrissage. Et on va accélérer un petit peu. La Howland, toujours la Howland là? On n'est pas encore dans le Twin Crater? Si, voilà, Twin Crater, ça y est, on y est. Allez, on est. Ouh là, 2 km d'altitude. Plein gaz, j'ai dit plein gaz. Oups, j'avais changé mes touches. Ah merde, c'est pas que je fais le con là. À ce stade, je vais faire un beau posé du premier coup, s'il vous plaît.
Et merde. Bon. J'ai vu le quick save, j'ai fait un peu le con là. Ouais, il reste pas grand chose du faisceau. Bon allez, F9. Et on refait la manœuvre. Ah ouais, j'ai fait ma décélération un peu trop tard, j'étais pris dans le... J'étais un peu pris dans le chat. Alors, c'est pas grave, on a perdu que 5 minutes, on recommence. De toute façon, un bon petit switch sans un bon crash, ça n'existe pas. Ça ne fonctionne toujours, hein, je confirme. Par contre, il n'y a personne pour transmettre, quoi. Ouais, joli feu d'artifice, ouais. C'est bien, ça qui est bien, c'est qu'on peut... Quand on est mauvais à KSP, on peut quand même se reconvertir dans la pyrotechnique, quoi. On peut pouvoir demander une équivalence à partir de 500 heures de jeu KSP, d'avoir un équivalence pyrotechnicien ou un truc comme ça. Et hop, voilà, des orbitages. Ouais, de nous, tu ne suis de bord avec une manœuvre, c'est vrai que c'est l'idéal, quoi. Mais là, je vais être honnête, hein, je me suis bien fourré comme un porc. Alors, on va ajouter une manœuvre ici, un peu de décélération. Non. Moins de 100, moi je veux, et je vais mettre un petit peu de radial pour aller plus loin dans le cratère, voilà. Bien, bien dedans. Voilà, execute next node, c'est parti. On doit être à quelle altitude? On doit être vers les 15 km là. Voilà, on le voit pas mal à le cratère. Cratère principal, la petite tranchée qui relie les deux, et là le cratère, le deuxième cratère jumeau. Hop, c'est bon, il nous fait le petit warp qui va bien. Impeccable. Hop. La tête d'atterrissage. Mais ouais, t'as raison, Vince, je crois que je vais faire un petit suicide burn assez proche, quoi. Je suis à combien là, 130 mètres secondes? Bon, quand je serai plus bas, je serai vachement plus. Donc on va mettre un par là, je pense. Moins 200. Ouais. Alors on va déjà même faire 200. On va essayer comme ça, ouais. Allez, on va faire F5. Execute next node. Mètres secondes, ouais c'est bon. Allez vas-y, engage. Ça le fait peut-être un peu bas là. Ouais. Non, abort. On va le mettre un peu plus bas. Ah non, une cratère, c'est bon, exécute. C'est bon, on est bien dans les Twin Craters, impeccable. On a combien, 4 km d'altitude. On a 60 mètres secondes, on est bien. Là, ça doit être le booster principal qui vient de péter. On ne devrait pas entendre normalement, nous sommes sur une lune, il n'y a pas d'atmosphère. On n'arrête pas de gueuler sur les films hollywoodiens parce qu'on a du son dans l'espace. On pourrait gueuler aussi sur KSP pour ça. Bon, en même temps, les explosions c'est rigolo donc personne s'en plaint. Voilà, on va raboter un peu. On va pas faire un suicide burn exactement parce qu'on va la jouer en mode confiance quand même. Voilà. On va rester sur du 30 mètres secondes. On devrait arriver sur du à peu près plat, je pense.
descendre tranquillement à 20 mètres secondes jusqu'au posé. Ouais, non, ça va être un petit peu incliné là. Mais bon, c'est pas, ça devrait pas être gênant. 200 mètres. On descend à 10 mètres secondes. Oh putain, on est bien, bien incliné là. Bon, j'espère que ça tiendra, sinon on ira se poser un peu plus bas. Avec KR, il y a le suicide burn. Ah, je savais pas ça. Alors, est-ce qu'il va tenir en place ou pas? Non, ça va se péter la gueule, on va aller un petit peu plus bas, je crois. Alors, plus bas comment? Encore plus bas. On va se trouver un terrain à peu près plat pour se poser. Voilà, là on doit être pas mal. Et on se met en rétrograde, prêt à atterrir. Dans surface, d'accord. C'est-à-dire, il fait que ça marche comment? Il t'indique quoi, quand faire ton suicide burn? Voilà, on atterrit donc sur un terrain un peu plus clément. Voilà, on coupe les moteurs. C'est bon, c'est à peu près plat. Ça tient d'aplomb, nickel. Bon, super. Allez, bon, là j'avais pas fait les action group, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ce sont que 2-3 instruments scientifiques. Donc là, on clique sur le mystery goo. Alors quand la valeur tombe à 0, il faut allumer le moteur. Ah, ok, c'est bon à savoir ça, j'essaierai un de ces 4. Pour le suicide burn avec, avec KER dans surface. Ok, bah j'essaierai de regarder un peu comment ça marche et puis ouais, je ferai ça. J'essaierai ça de ces 4. Donc voilà comment fonctionne le labo du coup, pour ceux qui ne connaissent pas. Bah voilà, au lieu de faire les expériences comme d'hab, de faire observe sur le goût, et soit d'envoyer, soit de faire keep experiment, là on les met dans le labo. Et ça nous fait des données à traiter. On va faire ça avec tous les autres. Hop, direction le labo. Activité sismique, à direction le labo. Gravité, direction le labo, et température, direction le labo aussi. Le Science Junior, direction le labo. Là je suis en science pour le moment. Le carrière, j'y viendrai un peu plus tard. Donc c'est pour ça là, c'est le but c'est de finir de débloquer l'arbre de technologie en utilisant le mobile Processing Lab. Voilà, et là on a donc plein de points, plein de données à traiter, ça nous fait 6 points de science par jour. Et donc là faut pas oublier de faire Start Research, et là il commence la recherche. Donc pendant ce temps, on va aller s'occuper de notre module qui est en direction de Minimus. Alors pour le suicide burn sans mode, tu réduis ta vitesse 0 en poussant sur le rétrograde, tu bloques la direction, ça te donne le temps de pousser. Ah oui d'accord, je vois ce que tu fais, ok. Ok, il traite juste à pousser 100% avant la manœuvre et pas 50-50. Ok ok, ouais, je vois ce que tu racontes, en effet ça peut être efficace quand même, c'est efficace comme méthode. Touk touk touk, où qu'on en est. Ah oui, alors on a switché. Lui, on a fait tous les relevés. Il est en train de faire la recherche, on va le laisser tranquille pour le moment. On va aller s'occuper maintenant. Notre station qui est en direction de Minimus. Donc c'est combien de tours dedans? Alors on va quand même vérifier le manœuvre une dernière fois avant de... pour éviter de faire n'importe quoi. Ouais, je peux pas cliquer sur Minimus. Allo? Alors je voudrais sélectionner Minimus s'il vous plaît. Bon, je peux pas. Bon ben on va faire confiance au node manager de toute façon, normalement il devrait fonctionner. Je ne vois pas pourquoi, on va faire un petit quick save quand même au cas où. Execute Xnode. Des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent on en cherche. C'est un classique ça. Pour avoir bossé dans la recherche c'est pas vraiment vrai en plus je trouve.
Mais bon, c'est vrai que c'est toujours une situation assez amusante. Alors là, normalement, il va me faire un coup d'alarme, je pense. Ouais, tout à fait. Hop. Déjà, c'est pour me prévenir que j'ai une manœuvre dans, dans 3 heures. Donc, close alarme. Et il reprend son Dime Warp. Ah non, t'inquiète, je le prends pas au premier degré, y'a pas de soucis. Ouais, on va zoomer un peu sur la planète. Où est-ce qu'on va se poser d'ailleurs? Je suis en train de regarder un peu où c'est que je pourrais aller. Soit une mer, soit, soit je sais pas, un terrain assez plat en tout cas. Alors, on a combien de beltapés dans le coffre là? 2000! Ouais, pour aller se balader sur le minibus, c'est large. Bon, on va pas se poser tout de suite parce que ça va être un peu. On va être un peu dans le, un peu à l'ombre, c'est pas très cool. Donc, on va faire un petit warp par ici. Parfait. Alors, ouais, là, ça a l'air pas mal. Là. Allez, on va tenter ça. Donc, rétrograde. Ouais, peut-être pas autant. Parce qu'on fera notre poussée plus tard. Allez, quick save. Execute next node. En plus Minimus je crois qu'elle tourne très vite, ce qui fait que là ça va bouger, enfin notre point d'atterrissage va bouger quand il va faire le Time Warp. Ouais voilà, il bouge légèrement. Donc pareil, le temps qu'on descende, le sol va se dérober un petit peu sous nos pieds et on devrait atterrir par ici je pense. Voilà, nickel. Alors on va se mettre une petite poussée par là. Oula. Voilà, comme ça. Hop. Execute next node. Là, je pense que je vais pas m'embêter, là je vais sortir le. Je vais faire une poussée comme ça et puis après je vais sortir le Land Guidance histoire de pas me prendre la tête. Et d'arriver tranquillou. Oh, on est encore à 15 km d'altitude là. C'est vachement haut. Allez, stop la manœuvre. Stability Assist, et puis là on va se prendre la tête. Landing Guidance et Land Somewhere. Espérant qu'il ne me fasse pas de la merde, parce que des fois le Landing Guidance, c'est quelque chose. Non, il nous fait un beau Suicide Bird là, ça a l'air d'être bon. Parfait! Stability Assist, c'est bon, on est posé. Je sais pas pourquoi il m'affiche ça, c'est bizarre. Bon, tant pis, on est bien à vie 0, on est bien posé, et donc là on fait pareil. Allez hop, les petits instruments, let's go. Direction le labo. Ah, j'ai oublié de faire un prélèvement de surface tout à l'heure sur Mune pour le mettre dans le labo. Oh l'idiot, bon, on fera ça tout à l'heure. Voilà. Mystery Goo. Voilà, le Saiyan Junior. Je suis en mode orbite. Ah oui, c'est pour ça, oui.
Donc c'est la vitesse de rotation de Minimus qui s'affiche en effet. Alors allez, toi un petit EBA. Du coup question bête, hein, c'est con, mais je m'en ai jamais rendu compte comment tu fais pour switcher de orbite à surface. EBA. EBA report. Puis take surface sample. Keep experiment et on remonte à bord. Et là on a plein de données, c'est super. Tu cliques sur la vitesse, ok. Attends, je vais voir ça, on va faire 30 minutes science. Non pas 30 minutes science, c'est start research, voilà. Ah oui, ok, super. C'est ouf, ça fait un an que je joue à KSP, je découvre ce truc quoi. Comme quoi, on apprend tous les jours avec KSP. Donc voilà, alors maintenant on a deux. Alors on doit retourner sur une mine du coup, histoire de faire un prélèvement de surface. Ouais, je viens de voir, ouais, ça passe de orbite à surface, effectivement, c'est bien pratique. Focus view. Alors, où qu'elle est. Voilà, dans les trucs cratères. Allez, switch to. Merci pour les vidéos tuto. C'est vrai que vu que j'ai regardé très peu de tutos et très peu de vidéos KSP en général, hé, c'est quoi ce petit bon là, stabilise-moi tout ça. Voilà, ok. Du coup, c'est vrai que je tendance à des fois, je découvre des trucs de base en fait quoi. Ah oui, toi, et c'est parti. EVA. EVA report. Surface sample. Et on remonte à bord. Et là, on va faire task research. Voilà, comme ça on a plein de données à bord, c'est cool. Donc là maintenant ce stade, allez hop, direction la tracking station. Il est l'heure de récolter nos points de science. Donc là, il y a 25 day 2, allez on va avancer du 2, je sais pas. Allez on va faire 70 jours, tiens. Le temps qu'il fasse un peu de recherche. Tchouk tchouk tchouk, 60 jours. Nickel. Alors, la lune. On va commencer par ça. Hop. Fly. La qualité de la vidéo quand tu warp. Ouais, tu m'étonnes. En même temps, c'est du x100 000 quoi que je faisais là. Ça pique un peu les yeux, ouais. Ah, il est encore en train de me faire un petit bond à la con là. Tant que le stability c'est bon, il est à la surface. On est où là? Non, on est côté nuit, on va rien voir. On va accélérer un petit peu. Voilà. Et donc là, petit clic droit sur là-dessus. Et transmit science. En ce temps, on va s'apprêter à aller en faire de même avec le labo de Minimus. Focus view. Là, pareil, il faudra faire un petit warp pour être côté soleil. Salut à toi, it's Ben Ziggy. Ouais, enfin, salut à toi, bienvenue. Pour information, on est en double mission, on vient de poser une station de recherche sur Mune et sur Minimus en un seul lancer. Et donc là, on est en train de récolter nos points de science. Donc l'autre, ah j'ai pas vu du coup combien il est rapporté l'autre, il a dû rapporter dans les 400, dans les 450, pas loin de 500 je crois. Donc j'espère qu'il ne va pas nous faire un petit bond lui non plus. Non, ça va. On va se mettre au soleil. Ah, on n'a plus de contact avec la Terre là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis une antenne de bourrin pourtant. Bon, on va tourner un peu histoire de retrouver un contact là. Si, c'est bon, voilà. Hop, pareil. Là, on a le ballon à fond. Allez, 30 minutes science.
Les data, on en a encore plein. Je me demande quand même si je vais pas aller dans les flats là. Histoire de récolter encore plus de données. Mais je crois qu'on va vite saturer le labo en fait à force. Parce que là déjà on est un peu plein de. On a combien? 550 sur 5... sur 750. Ouais, bon allez, on va aller se balader un petit peu. Alors, F5. Pour aller sur notre biome, donc on va aller tranquillement dans les surflats. Donc on va aller à l'est et un petit peu au nord, on va dire nord-est-est. Alors donc nord, est-est, donc on va tirer par là. C'est parti! On va regarder un peu où on va quand même, ça serait pas mal. Comme ça. Et hop. Plein gaz. Nickel. Est-ce qu'on peut faire un petit warp jusque là? Ah non, on est en dessous de 6000 mètres. Ah si, il veut bien. Et bon, on va faire une petite manœuvre ici. Histoire de désorbiter, enfin de se poser bien dans les. Alors, il doit pas falloir mettre beaucoup là, je pense. 10, 10, 10, 10. Ouais, on est tranquille au niveau de delta V, on a ça dans le coffre. Allez, on va mettre 100. Hop, execute next node. Et après, on fera le landing guidance, histoire de pas se prendre la tête. Ouais, j'avais bien compris que c'était en opposition par rapport à la cabine et que ça traversait pas la planète. Donc du coup c'est pour ça que j'ai plus de signal. Même avec une tête de bourrin ça passe pas. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne idée. Enfin, en général moi ce que je fais c'est dans mes parties à moi, là c'est ma partie où je fais des tutos, du Twitch et compagnie. Mais dans ma partie à moi je mets des antennes relais sur tous les astres du système. Enfin, les principales les planètes. Comme ça, moi, je suis sûr que ça me fait un relais et que je suis sûr que chaque vaisseau que j'envoie, j'ai toujours un contact avec Kerbin. C'est bien pratique. Tac. Allez, landing guidance. Land somewhere. Mais en effet, j'aurais pu coller un petit relais. J'aurais mis en orbite polaire, par exemple. Et comme ça, ça aurait servi de relais, je peux transmettre à partir de n'importe quel point de la planète. Bon, j'avais prévu une demi-heure, mais en fait, je me rends compte que ça dure pas un peu plus que ça. Hein. Là, on va plutôt taper dans les 1 heure. 1 heure et quelques, quoi. Maintenant, ça fait qu'une demi-heure, là. Ouais, moi, ça, on va en taper dans les 45 minutes, 1 heure à peu près, en max. Hop, là on va laisser faire le landing guidance tranquillement. C'est quand même bien pratique. Je pense qu'il va pas tarder de nous faire un beau petit suicide burn vu l'altitude. Yep, impeccable. Plein gaz. Moi bon, je dis plein gaz, c'est Mike Jeb qui s'en charge en fait. Moi je fais rien là. Moi, je retourne ma club, un peinard. Pendant que Mike Jeb fait tout le boulot. Touk. Super. On est posé. Allez les mecs, EBA. Tu nous fais un rapport déjà. Les fat plans, on l'a déjà dû le faire. Un prélèvement de surface et on remonte à bord. Alors on va faire start research. Ah, j'aurais dû restaurer mon Mystery Go et tout au passage, mais je pense que ça ne servira pas parce que de toute façon on va remplir le labo à fond. Ok, gravity data. Il nous reste combien de place là-dedans? Ouais, il nous reste encore de la place, donc on va faire l'activité sismique.
new data. Non, c'est bon, c'est bien ça. La température. On a combien? On a 700 de data. Bon, on est pas mal là. Il fait combien? 8 de points de science de recherche par jour. Alors, on va quand même faire un petit EVA pour les réparer tout ça. On doit mettre en ordre le Mystery Goo et le Science Junior. Est-ce que j'ai bien fait mon clic save? Oui, c'est bon. EVA. Hop, tu me restaures le petit Mystery Goo. Je suis trop bas. Je vais monter un peu. Ah, je l'ai pas. Ah, mais non, c'est pas le même, c'est que j'en ai plusieurs en fait. Bon, on va remonter à bord du coup. Enfin, non, on va quand même faire le. Aller réparer le CNGR parce que celui-là on en a qu'un. Ah, on m'entend moins bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, des fois ça m'arrive de bouger mon micro sans faire gaffe. Là, ouais, c'est vrai que je vais repositionner un peu mieux. Ça doit aller mieux, je pense. Donc, allez, space, let's go. RCS. Et hop, on monte. Oula, doucement, doucement, doucement. Hop, restore, nickel. Voilà, c'est pratique le jetpack sur Minmus. La gravité est super faible, c'est très maniable. Donc, allez, hop. Sur ma Material Bay, du coup. Direction le labo. Ah non, le labo il est plein. On va essayer avec le Mystery Goo. Ouais, lui il le prend. Ah bah non. Bon, on est plein de data, c'est pas grave. Bon allez, pareil, direction la lune. On va bouger, on va changer de biome pour remplir le labo et avoir plein de données. Alors c'était Stargate Focus View. Où es-tu, petit labo? Ah bah il est ici, on tombe dessus tout de suite. Switch, let's go. C'est mieux? Bon, super, merci. Et allez, il nous refait un petit saut. C'est pas bien méchant, mais des fois ce petit bug sur certains astres, ça peut être très problématique. Ça m'était déjà arrivé sur Gilly. Avec la petite gravité là, mine de rien, on part à 10 mètres de hauteur. Alors, on a dit direction. Alors, on a déjà fait le 36 000 data tout à l'heure, ouais, tout à fait. Donc, on va changer de biome. On avait dit qu'on se faisait un cratère. On va aller par là, ça c'est un cratère des Midlands, je pense. Il n'est pas trop loin, donc direction l'ouest, un petit peu au sud. On va se faire ça. Un petit F5. Et donc on a dit ouest et un peu au sud, donc par là, c'est parti. Voilà, à peu près comme ça on devrait être pas mal je pense. Alors faut que je fasse gaffe, je suis dans un cratère, faudrait pas que je m'éclate sur une paroi. Ouais, on va peut-être redresser un peu là. Voilà, on va mettre un peu les gaz. Je crois qu'on va passer juste. Ou pas. Non. Nope. Ah, mec, j'ai pas bien. Bon, allez, on refait ça. On s'est bien ramassé la falaise là. Et hop, encore un petit saut. Bon allez, c'est parti. On a dit direction sud-sud-est. Non, ouest déjà. C'est plutôt sud-ouest-ouest. Donc hop, hop, on n'y est pas. On regarde un peu où va pour pas refaire la même connerie et se replanter dans un mur. Donc, on va monter un petit peu, je pense que ça sera pas mal. Sud c'est bon. Plein gaz. Voilà. Déjà, on va prendre un peu de hauteur. Maintenant qu'on a pris un peu de hauteur, on va se mettre un peu plus à l'horizontale. Comme ça, on est pas mal. Niveau trajectoire, qu'est-ce que ça donne? On a l'air d'être dans le bon sens.
Allez, plein gaz. Peut-être quand même que je serai mon Delta V. Bon, non, ça va, c'est cool. Ouais, on va peut-être redresser un peu là quand même. Voilà. Et où putain? Ça peut couper le moteur, s'il vous plaît. Bon, génial. J'ai poussé un petit peu fort. Alors, manœuvre en éditeur. Allez, on va faire vite parce que là, le vaisseau il arrive bientôt. Plus, moins, moins. 10. Plus. Voilà, hop, on va faire execute déjà. Histoire d'être dans le bon axe. Un troupeau à 6 km. Voilà, nickel la manœuvre. Et voilà, on va se poser dans ce petit cratère. On va être bien au fond. Voilà, execute next node. Donc normalement, on va arriver dans un Midland cratère, je pense. Ou peut-être un Island cratère, je sais pas. Non, Midland. Voilà, dernière course poussée, histoire de se poser dans... Voilà, Midland cratère, on y est, nickel. Donc nouveau biome, nouvelles données, qu'on mettra dans le labo et qu'on va analyser, qui devrait reporter un max de science. Et puis dans le prochain Twitch, je pense que je ferai la mission de récupération des scientifiques. Vu que leur travail sera terminé. Nous sommes à quelle altitude? 4000 mètres. Alors on va faire un petit par ici. Ouais, quoique. Est-ce que je fais ça avec. Avec MechJeb. Allez, on va le tenter. On va faire un petit F5. Sinon, on fera à la main. Hop, on va faire un peu de place sur l'écran. Tu as un carbonote en détresse, elle est sauvée, mais fonce, donc fonce Vince. Si Jeb ou Valentina ont besoin de toi, vas-y. Merci d'être passé en tout cas. Et voilà, un joli suicide board comme on les avait mains. Merci mec Jeb. Hop, stability assist. Et donc voilà, on va reprendre des mesures un peu partout. On a combien là-dedans? 400, donc on pourra en mettre encore à pas mal. Paf, direction le labo. Direction le labo. Il y a encore un peu de place. Là, ça doit être plein. Ouais, 712, on est quasiment plein là. Donc là, il est toujours en what? Researching. Impeccable. Bon, bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du time warp. On va récupérer les points de science. Et on en a combien de points de science par jour? 8 par jour? Ouais, on va faire un petit time warp. Allez, c'est parti. On va reculer un peu, sinon ça va piquer les yeux. 73, on va avancer de combien? Allez, une soixantaine de jours, ça devrait suffire.
Donc on va se mettre au jour, 130 et quelques, 135. Voilà. Station. Hop. On prend le commun, les commandes, et on va envoyer les points de science qu'on a récoltés. Car c'est notre petit labo posé sur place. Ah, il est encore en train de faire que... Je sais pas trop quoi, là. Pas de connexion avec Kirabine ? Ah, si, c'est bon. Bon, on va le faire dans le noir, c'est pas bien grave. Là, voilà. Il est à mon labo. Transmit Science, on est plein. On a 400, ouais, on a 500. Hop, Transmit Science. Donc là, il est en train de transmettre les données. Minmus Focus View. Puis on va prendre le contrôle de l'autre vaisseau. J'en risque d'être. Non, c'est bon, on devrait avoir une connexion, je pense. Avec Kerbin. Allez, c'est presque terminé pour la station de Mune. On va passer sur la station de Minmus. Voilà, 400% points de science. Super. Hop, switch to. Ah non, on n'a pas de connexion. Il va falloir accélérer un peu. Et hop, on récupère la connexion. Hop, 38 science. Quoi? Ah, j'avais pas vu le start research. Oh, l'idiot. On va refaire un petit taille mémoire du coup, vite fait. Ça va juste nous faire perdre 2 minutes, c'est pas bien, c'est pas le drame. Allez hop, on va avancer de 62 jours encore une fois. Voilà, ça pique un peu les yeux là, désolé. Voilà, très bien. On prend le contrôle du vaisseau et on transmet les points de science. Et après ça, on devrait avoir fini. Hop, voilà, 500, 400, ouais, c'est bon. Hop, 30 000 science. Ah zut, on n'est pas encore. On va récupérer une connexion. Hop, connexion. Transmit Science. J'aime bien Minmus. Même si tout le monde s'en fout. Je trouve qu'elle a de la gueule cette planète avec les mers gelées et tout. Là. Elle est bien chouette. J'aime bien les temps comme ça juste pour me détendre. Ça fait du bien. Allez, la transmission est presque terminée. Nickel! Ah, je dois même avoir ma station autour de Kirabine, on va voir si elle nous a fait quelques points celle-là. Kirabine Space Station, allez hop, on va aller voir. Des fois que. Si on peut gratter 100 ou 200 points de science avec, ça passerait pas mal. Voyons voir. 180, ouais, bon, bah allez, transmit. Hein. Ce sera toujours ça. Et voilà, hop, direction le Space Center. Alors, ça nous a rapporté combien tout ça? À peu près. Ouais, dans les 2000 points de science à peu près, c'est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Non, c'est pas l'extracting session, je voulais le R&D. Je clique sur n'importe quoi. Voilà, R&D. Ouais, on a pratiquement de quoi tout débloquer là. Hein. Ah non, pas tout à fait. Experimental Science, hop, on va prendre ça. Ça, c'est l'airplane, on s'en fout.
Là, research, ouais, ça on va le prendre, tiens. Et ça on n'a plus. Mais bon, enfin bref, voilà, sur le principe, en fait, il suffirait que je fasse un petit dernier time warp, que je récupère des points de science et que voilà, je termine mon art de technologie tranquille. Donc voilà. Du coup, ben voilà, c'est terminé. Donc la mission, le but, là, c'était d'envoyer un labo de recherche en un seul lancé sur. Donc un labo sur Minimus, un labo sur Mune pour récolter des points de science. Ça c'est fait, on pourrait même reprendre le contrôle, aller voir d'autres biomes parce qu'il nous reste du Delta V. Mais bon, là ça serait rallonger le Twitch inutilement. Donc voilà. Bref, un seul lancé avec deux modules à bord, deux labos, un qui va se poser sur la Lune, un qui va se poser sur Minimus, et qui nous ont donc rapporté à peu près 2000 points de science en l'espace de 100 jours. Donc voilà, mission ici, et la prochaine fois, et ben, vu que nos petits scientifiques ils ont bien fait leur travail, ils ont quand même passé pas mal de temps sur la Lune et sur Minimus, et ben on verra comment on fait pour aller les rechercher. Donc il y a deux méthodes. La première méthode, c'est soit on se pose près du vaisseau, on sort le carbal, on rejoint l'autre vaisseau, et puis hop, on rentre sur Terre. Parce que là, les vaisseaux, ils n'ont pas de quoi rentrer sur carabine. Soit, dans un des deux vaisseaux, je pense qu'on doit avoir assez de fuel pour se remettre en orbite. Et donc, à ce moment-là, on fait un docking avec un autre vaisseau. Et j'essaierai de faire un lancer double, c'est pareil. J'aurai un seul lanceur au départ. J'aurai deux modules qui vont se séparer. Un qui va récupérer le scientifique de Mune. Et un autre qui va récupérer le scientifique de Minimus. Donc, si ça se trouve, je ferai ça ce soir parce que... il fait pas beau, donc chez moi, donc voilà, je peux pas trop sortir, donc je me compte un peu avec KSP et Twitch, voilà. Donc voilà, prochaine mission, double récupération en une seule mission du scientifique qui est sur Mune et du scientifique qui est sur Minimus. Je pense que celui de Minimus, on va le récupérer au sol, ça sera plus simple, et celui de Mune, on le récupérera en orbite. Je vais juste aller voir si j'ai assez de Delta V quand même dans mon vaisseau pour le remettre en orbite, ça serait pas mal. On va vérifier ça. Mais normalement, j'avais prévu pas mal de Delta V histoire de. Bon, moi, on voit rien. Il nous. Delta V. Oula, oui, 1500 Delta V. Non, on est large. On pourra le remettre en orbite, lui, y a pas de souci. Le souci, c'est est-ce que j'ai prévu un docking port? Normalement. Eh ben non, j'ai pas pris de docking port, donc on le fera ce. Donc on rejoindra le vaisseau de récupération avec un EVA une fois qu'on sera en orbite. Je pense qu'on fera comme ça, quoi. Donc voilà, ben merci à tous d'avoir suivi, c'était sympa. La petite mission est réussie, c'était cool. En même temps, j'avais fait des tests, donc bon, ça pouvait pas foirer. On a juste eu droit à quelques explosions comme d'hab, mais bon, grâce à la magie du F5F9, on a récupéré tout ça et puis c'était sympa. Donc voilà, ben je vous souhaite à tous un bon après-midi et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une mission de récupération des scientifiques qu'on a envoyé dans cette mission. Voilà, ciao à tous.